leur capsule de secours pour revenir sur Terre. Je t'entendre dire que tu vas t'en sortir. Je vais m'en sortir. 7 minutes pour me tirer d'ici. Non. Sandra Bullock et George Clooney dans Gravity, ce soir à 20h50. Ce soir, documentaire. Deadpool, vieille de 5000 ans, pourrait-elle être une tueuse de sang-froid? Cet objet bizarre aurait-il pu changer la Seconde Guerre mondiale? Cette machine médiévale prédit-elle l'avenir? Les technologies d'aujourd'hui permettent de comprendre les caractéristiques extraordinaires des plus anciens et plus étranges objets des civilisations passées. Une possibilité unique de voyager dans le temps et de découvrir les nouveaux secrets des trésors cachés dans les réserves de nos musées. Mystérieux objets, nouveaux épisodes, ce soir à 20h55 sur Planète Plus. Ce soir, cinéma. Je suis un agent de protection triple A. Vous êtes le tueur le plus recherché au monde. 27 fois, c'est le nombre de fois où il a essayé de me tuer. Mon job, c'est de vous protéger, quoi qu'il arrive. C'est trop loin pour sauter, on n'a aucune chance. Faut juste qu'on trouve un moyen plus intelligent de s'enfuir. De merde! Ouais, monsieur. Tu survivras pas une heure sans moi. Hitman et Bodyguard, ce soir, à 21h05 sur TFX. Ce soir sur Ushuaïa TV, les super tempêtes, des phénomènes climatiques extrêmes. Un bec de canard avec des cuillères croustillantes. Découvre ta nouvelle série Hayley sauve le monde tous les week-ends à 10h45 dès le 6 janvier sur Disney Channel. Sport. La mi-temps en plus, votre émission du dimanche soir pour revenir sur les 6 championnats. Sergio Gomez, alors quelle folie cette rencontre. Force de frappe offensive. C'est normal, c'est le meilleur joueur du monde. C'est prodigieux. Il va écraser le championnat d'Allemagne, là, lui tout seul. Et là, pour le sale boulot. Sadio Mané ! Niveau émotion, là, c'est une dinguerie. La mi-temps en plus, chaque dimanche à 22h GMT, L plus Sport 1. Ce soir, documentaire. Tempête géante, ouragan dévastateur, inondation. Nous sommes de plus en plus confrontés à ces catastrophes climatiques hors normes. Sandy arrive sur New York, c'est évident. On a fait des études sur les pires scénarios possibles et on est déjà dans cette situation. Là où j'ai compris que ce n'était pas un orage comme les autres, c'est quand j'ai vu passer le chasse-neige, en plein mois de juillet. Bon sang, c'est pas vrai! Ferme la porte! Toute la maison est remplie de boue, j'ai un bébé, je sais pas comment on va faire pour survivre. Phénomène climatique extrême, ce soir sur Ushuaïa TV. Cinéma. Le 4.